et aussi ça. Bon, il est temps. Tu es prête? Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un paria. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est...
ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Non, je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute-mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Retourne d'où tu viens, Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème, on fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite, tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Tellement de scandales l'an dernier. C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est ailleurs. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Je dirais que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa.
Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karja venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Là, elle a demandé une bénédiction pour son camion. Intéressant. Tiens, descends là. Ça ne pas d'être un ivrogne. C'est doit rester dans. On que ça aille grimper sur les maisons. Écoutez bien, surtout. Car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la toute-mère créa toutes les formes de vie. C'est moi ou ça? Aloy, par ici. Karst, qu'est-ce que tu fais ici? Attention. Fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Toute vente est définitive. Si ça casse, c'est pas de bol. Allez, je dois filer. Bonne chance pour demain, Aloy. Peut-être que les Karjas sont plus complètement honorables. C'est pas moi qui vais les en empêcher. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karjas. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix? Quelle paix? Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du roi Soleil, Ava. Espèce de misérable! Hé, hé! Luminance, te arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Osseram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde fait comme si ces maudits Karja étaient nos invités d'honneur. Focus, t'es con. Comme le mien. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible.
Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Wow, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé, hey, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Et je pourrai aussi te présenter ma sœur. Tu verras, elle a le bras bien plus long que moi. Je pensais qu'elle avait été capturée et tuée par le Roi Soleil. Capturée, oui. Tuée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater ça. Elle s'est enfuie, et aujourd'hui elle est à la tête de l'avant-garde. Sacrée histoire. Mais je te raconterai ça à l'occasion. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. La haute matriarche Tirsa est allée trop loin, cette fois. Elle n'aurait pas dû inviter ses sons. Tout le monde fait comme si son bonnet d'argent. Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pff, blasphème. Mes sœurs, aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, à... l'honneur de ma mère, dont je saurais le nom si elle ne m'avait pas abandonnée. Oh, toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre.
On est vraiment supposé oublier ce que les Karjas. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. C'est dommage que ce musicien ne soit pas revenu cette année. Tu sais qu'il y avait. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom. Ah, Erend, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Requête. C'est comme ça qu'on appelle la Terre au Céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venu ? Erend voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie, c'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Nora ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'il se méfie du savoir, je suis entièrement d'accord. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayez de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Peut-être que les Karjas sont venus pour faire un monde honorable. Ce n'est pas moi qui vais les en empêcher. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton lit, Paria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui montes la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence est... Donc, qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la ! Alors tu dis rien ? Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Le seul moyen que tu as de te sentir fort, c'est de rabaisser les autres. Ça ne marche pas.
Je me suis entraîné toute ma vie. Demain, tu verras bien à quel point je suis fort. Ah, j'ai tout compris. Ton corps est celui d'un homme, plus ou moins. Mais au fond, ton cœur est aussi sec qu'avant. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ce dont je me souviens, c'est que les enfants que tu voulais impressionner ont vu ton vrai visage. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du sceau de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendue plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas enfin te taire ? Ça, ce serait une surprise. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve, pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Ça... ça a son charme. C'est accueillant, une fois accepté. C'est bien le problème. Je crois que tu trouveras ta place, c'est certain. Va te reposer. Préparez-vous ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Derrière le brouteur !